Hello, je vous retrouve parce que aujourd'hui je vous présente en fait la nouvelle version du masque Current Body Skin que j'ai reçu et je me dépêche parce que de vous faire cette vidéo parce avant que je l'ai testée complètement. Pourquoi? Parce que ce sont les derniers jours de l'offre Black Friday chez Current Body Skin et du coup je voudrais que vous puissiez en profiter si ce masque vous intéresse. Alors je fais cette vidéo pour faire un petit comparatif entre l'ancien masque de Current Body et le nouveau, la nouvelle version. Celle s'appelle Nouvelle Génération. Je vous fais ça vite, vite, vite en résumé, mais il y a vraiment de nettes améliorations, tant du point de vue, on va dire, de l'agrément de l'expérience, mais également, et surtout, et moi c'est ce qui m'intéresse le plus, je dois avouer, de l'efficacité. Donc, vous voyez, dans ce nouveau masque, on a toujours la possibilité d'avoir une autonomie. Hein, on n'est pas obligé de rester branché à un fil. Hein, vous voyez que donc c'est portatif et d'ailleurs la télécommande entre guillemets du masque, elle peut s'accrocher à un de vos vêtements. Vous voyez, vous la mettez à la ceinture ou quoi. Donc vous n'avez plus besoin de vous balader avec une télécommande qui vous suit mais qui ballotte. Donc ça c'est un premier confort. Deuxième chose, vous devez voir que le design n'est pas le même. Déjà, il est préformé. Vous voyez, vous avez une mentonnière ici qui est souple, hein, encore une fois. Donc, rassurez-vous, si vous avez un manteau un peu plus long, vous ne serez pas gêné. Vous avez également des. Alors, je ne sais pas comment ça se dit. Hein, c'est comme des espèces de œillères. Vous savez, comme il y a sur les lunettes de piscine, pour que vos yeux. Sur le masque, le premier, vous voyez, vous n'en avez pas. Est-ce que c'était très très gênant? Non, en tout cas, ce n'était pas dangereux. C'est ce que je veux dire par là. En revanche, si vous vouliez lire, et moi en l'occurrence, c'était travailler sur mon ordinateur, la lumière rouge fatiguait un peu les yeux, donc ce n'était pas des plus agréables. Là, si vous voulez, ça fait quelque chose d'un peu étanche autour de l'œil. Et de ce fait, c'est beaucoup plus confortable parce qu'en fait, vous pouvez très bien lire, regarder la télé, regarder un ordinateur sans que ça vous gêne du tout. Donc ça, c'est très agréable. Et donc le fait que donc ce soit en silicone best fit, le silicone est plus souple et il est préformé, donc il colle mieux à votre visage. Donc si vous voulez, les performances des LED sont optimisées parce qu'elles sont vraiment au plus proche de votre peau. Ensuite, justement, ces LED, sur la première version du masque, il y avait 132 ampoules LED. Là, sur le nouveau, il y en a 236, c'est-à-dire que on n'a pas doublé, mais presque. Donc, c'est déjà super. Et toujours du point de vue de la couvrance, hein, voici l'ancienne sangle de l'ancien masque. Vous voyez, c'était une sangle, bon, on enfilait la tête, on refermait, on resserrait. Ça marchait très bien, hein, c'est pas du tout le problème. Et ce masque est toujours très très bien, on est d'accord. Mais sur la nouvelle version du masque, il faut le reconnaître. Cette sangle multidirectionnelle, elle vous permet vraiment de resserrer davantage vers le haut ou vers le bas. Déjà, c'est beaucoup plus englobant, donc vous pouvez vraiment plus resserrer. Si vous êtes des nostalgiques des anciennes sangles, vous avez aussi une sangle, on va dire, à l'ancienne, entre guillemets, et puis qui vous permet aussi éventuellement, je sais pas, peut-être d'agrandir ou je ne sais pas ce que vous pourriez vouloir faire avec, mais bon, quoi qu'il en soit, c'est surtout que vous pouvez utiliser une sangle à l'ancienne. Mais celle-là, ce que je trouve très bien, c'est que vous voyez, moi par exemple, j'ai un visage qui est assez étroit en bas de mon visage et donc je peux resserrer davantage sur le bas. Alors que sur l'ancien, ben, je n'avais qu'un seul point d'attache, entre guillemets, enfin oui, c'est pas entre guillemets, c'était vraiment ça. Alors ensuite, pour ce qui est de la précision,
qui va surtout déterminer l'efficacité des LED. Là, sur l'ancien masque, vous aviez deux longueurs d'onde pour les LED. Vous aviez les longueurs d'onde des LED rouges, donc à 633 nanomètres, et les ondes qui étaient proches de l'infrarouge, donc qui étaient à 830 nanomètres. Ça fait déjà deux longueurs d'onde, ce qui est déjà très bien, parce que ça permet vraiment d'aller toucher des problématiques différentes et des zones différentes de la peau. Par contre, il manquait en fait les NIR profonds, c'est-à-dire les infrarouges profonds. Et donc là, on a toujours du rouge, du proche infrarouge comme sur l'ancien, mais on a en plus ces ondes profondes, donc à 1072 nanomètres, qui permettent vraiment d'aller toucher au plus proche tout ce qui va déclencher les phénomènes de renouvellement et de rajeunissement de la peau. Partout, quand vous allez en profondeur dans la peau, vous stimulez davantage forcément tout ce qui est les fibroblastes, la production d'élastine, la production de collagène. Et donc, vous avez, dans le premier cas, vous aviez des résultats anti-âge déjà intéressants, parce que je vous rappelle, donc c'est anti-inflammatoire. Les phénomènes de vieillissement cutané sont grandement des phénomènes inflammatoires. Vous aviez également un effet sur l'éclat du teint. Mais là, donc avec ce nouveau masque de Curon Body Skin, vous avez vraiment une technologie anti-âge extrêmement complète et qui provoque également un renouvellement cellulaire. Et ça, c'est un gros progrès. C'est vraiment, vraiment un plus. Donc, voilà, je voulais vous en parler très vite parce que, pour ma part, mon code, chez d'autres influenceurs, je ne sais pas, mais mon code se termine le 5 au soir, je crois. Ouais, c'est ça. Donc, il ne vous reste plus beaucoup de temps pour commander avec ce code. Je vous rappelle encore une fois, par pitié, parce que j'ai une étudiante qui m'a dit « Ah, je vous ai reconnu. Ah, vous faites du placement de produits. » Je ne fais pas du placement de produits, par pitié. En fait, si j'arrivais à vous vendre un produit mais que je sais pas efficace et qui ne vous plaise pas, mais franchement, je serais absolument navrée. D'ailleurs, je vous rappelle que j'ai fait des vidéos pour vous dire « Attention, ça, je l'avais recommandé. » Et finalement, maintenant, je ne suis plus trop d'accord, etc. Donc, encore une fois, je ne place pas de produits. Je vous recommande des choses dont j'estime qu'elles peuvent être utiles. Et ça, en l'occurrence, je trouve que oui, parce que ça, c'est un investissement. Vous l'achetez et ça vous suit pendant extrêmement longtemps. Et c'est plus efficace que bien des crèmes, quoi. C'est plus efficace qu'une crème, voilà. Il vaut mieux un bon sérum, une crème lambda, hydratante, bien fichue mais pas chère, et avoir ça. Et ça, ça se rentabilise vraiment, vraiment. C'est bien plus important en fait que d'acheter une crème très chère. Et si vous achetez des crèmes très chères, vous en achetez 4 dans l'année, ben vous avez déjà en fait finalement rentabilisé votre masque. Donc vraiment, je tiens à vous le dire, parce que pour moi c'est quelque part de l'ordre de l'économie. Vous voyez, c'est le fait d'acheter quelque chose qui est efficace, qui est durable. Ben pour moi, c'est vraiment important de vous amener vers ça, plutôt que de vous vendre des crèmes ou des sérums hyper chers. Donc je sais que l'efficacité, oui, ça peut être pas mal. Enfin, ça ne sera pas non plus renversant, quoi. Ça peut pas aller toucher certaines zones de la peau. Voilà, donc c'est pour ça que je tenais à vous faire rapidement cette vidéo. Si vous commandez, éventuellement profitez-en pour acheter ces masques Curon Body Skin. Pourquoi ? Parce que, en fait, non, ces masques ne sont pas des masques tissus. En fait, ce sont des masques en hydrogel et sont complètement transparents. Quand je dis transparent, c'est vraiment transparent, comme du verre, mais c'est souple. C'est assez agréable d'ailleurs, c'est comme un gel, enfin comme du gel, mais vous savez, ça fait une seconde peau. Et comme ils sont entièrement transparents, vous pouvez les mettre sous le masque. Et ça ne va pas gêner la pénétration des LED. Et
ça va décupler, en fait, l'effet du masque, ça va vous permettre de faire du 2 en 1. Voilà, donc vraiment, ces masques, en plus, ils sont vraiment très, très bien. Donc, je vous les recommande. Et voilà, donc, j'ai pu, encore une fois, sauver les meubles et faire la vidéo juste à la fin du Black Friday, tout simplement parce que je sais que, par contre, c'est un achat qui est coûteux quand même, hein, même si je pense qu'il est extrêmement rentable, il est coûteux. Donc, si on peut l'avoir au Black Friday, eh ben, c'est mieux. Et si vous voulez l'offrir, ben, c'est pas qu'on est radin, mais si on peut offrir à un moindre coût, ben, ça permet de faire notre cadeau, voilà, tout simplement. Écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures cosmétiques.